Ce qu'il y a de vraiment exceptionnel dans ce projet, c'est la rencontre de ces deux univers, de la musique classique et des arts du cirque. Et nous, on amène tout notre univers poétique avec ça, en faisant un vrai lien avec tous les musiciens qui sont à fond dans l'engagement physique pour dépasser et sortir de leur zone de confort. Cet univers des Machinois, c'est tellement fou, c'est tellement exceptionnel, c'est quelque chose qu'on voit si rarement avec cette virtuosité des acrobates et l'énergie qui passe des acrobates qui sont en train de sauter et danser entre leurs mâts et qui va jusqu'à dans le corps des musiciens. C'est vraiment quelque chose de magique. Pour moi, c'est l'un des plus beaux projets auxquels j'ai pu participer, et de voir cette fusion entre les deux mondes, c'est très très émouvant, et je pense que le monde artistique en a réellement besoin. Quand cette proposition nous a été faite, moi particulièrement, j'ai eu peur. Parce que c'est vrai, j'ai eu peur que ça soit très classique. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que le spectacle soit autant contemporain et autant vivant et autant moderne. C'est incroyable. Pour nous, circassiens, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Moi, là, si j'avais un seul rêve, c'est de réussir à l'amener chez moi, ce spectacle. Le présenter, montrer que les grands orchestres et le cirque, ça se marie à merveille. Et ce Grand Paris-là, on en a besoin. On a besoin qu'il se diffuse parce que aujourd'hui, dans la culture, on a besoin d'être beaucoup ensemble. Surtout après ce qu'on a vécu.